Présenté comme antidiabétique, mais largement utilisé comme coupe-faim, en France, le Mediator a été prescrit à 5 millions de personnes. Commercialisé par le laboratoire Servier pendant 33 ans, le médicament est retiré du marché en 2009 après la révélation de l'affaire Mediator par la pneumologue Irène Frachon. Pas de rapport, alors que toutes les preuves sont là, nous avons vu. Le grand public découvre alors que le médicament provoque des lésions cardiaques. Les victimes développent de graves séquelles et jusqu'à 2000 personnes seraient mortes. Un scandale sanitaire d'une ampleur inédite en France depuis 10 ans. Les victimes attendent que le laboratoire Servier rende des comptes. On lui reproche d'avoir dissimulé les effets indésirables du Mediator. Moi, j'attends du procès qu'il soit vraiment puni. Ils m'ont bousillé la vie, je leur en veux énormément. Et je ne sais pas si un jour j'arriverai à pardonner. Le procès s'ouvre ce lundi. Le groupe pharmaceutique Servier est jugé pour tromperie, homicide et blessure involontaire.